Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui et je vous reprends depuis ma voiture puisque j'ai décidé d'aller chez Action. Il nous manque un tas de choses à la maison et du coup j'espère y trouver mon bonheur. Voilà, je repoussais le moment pour y aller et puis là je me suis dit allez c'est l'occasion. Dadou est à la maison, il garde Léo et du coup moi je vais aller actionner, on va dire ça comme ça. Donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée de vlog et c'est parti, let's go. Il fait un grand soleil, il fait chaud et je suis très peu make-upée comme vous pouvez le voir, mais ça fera l'affaire. Bon, ça y est, je vous reprends depuis la maison. Je suis rentrée il y a une petite heure. J'ai donné le bain à mon petit nounou. Je suis assise par terre parce que je suis en train de jouer avec lui pendant que papa... Je pense que vous pouvez voir si vous avez un mec qui joue à Call of... Warzone, voilà. JPP. Autant vous dire que franchement, j'en peux plus de ce truc. J'ai qu'une envie, c'est de prendre le CD et de le broyer en deux. Mais bon, c'est pas grave. Donc chez Action, ça s'est très bien passé. J'avais mis un masque et tout. Il y avait très peu de monde dans le magasin. De toute façon, je vais vous faire un haul Action. Alors si je peux, je vous le posterai avant ce vlog. Comme ça, dans ce vlog, je vous montre l'installation des produits que j'ai achetés. Bref, on va essayer de faire ça. Si Nounou veut bien, cet après-midi, j'ai filmé la vidéo et j'essaierai de la monter au plus vite pour vous la poster. Soit ce soir, mais ça me paraît ric-rac. Soit demain, comme ça vous aurez le vlog qui suivra ensuite. Voilà, et comme ça vous pourrez voir ce que j'ai acheté, où est-ce que je veux le poser dans la maison, etc. Mais en tout cas, ça s'est très très bien passé. J'ai mis en tout et pour tout, je suis partie de la maison et je suis revenue en une heure. Donc ça a été hyper rapide. Là, je suis en train de jouer avec mon petit abricot puisqu'il est un peu ronchon. On a l'impression que Léo, alors après le reflux, après... Enfin, on a tout eu avec mon petit cœur. Eh bien, on... Ça, c'était le papa qui, visiblement, est en train de perdre. Eh bien, on a l'impression qu'il fait de l'eczéma du nourrisson. Voilà, il a pas mal de petites... je vais pas dire des griffures, des petites plaques rouges et tout, un petit peu, qui le gratte un petit peu, on a l'impression. Au niveau des pieds, à la racine des orteils et... Oh, mais quand on va trop loin... Mais oui, mais tu vas trop loin avec tes doigts, mon cœur. Bon, avant que ma caméra ne coupe et que mon fils se fasse mal avec ses doigts dans... au niveau des dents parce que voilà, il y a forcément les dents qui travaillent. J'étais donc en train de vous dire qu'il a des petites plaques au niveau des orteils et sur l'une des joues. Et il m'a choisi le jeu le plus bruyant possible et ça le travaille un peu, ça, on voit qu'il a envie de se gratter et tout. Donc voilà, là j'ai appliqué une crème de chez Mustela, je vous la montrerai tout à l'heure. Si vous avez des astuces ou quoi, je vais voir comment ça va évoluer et s'il faut, je prendrai rendez-vous chez le pédiatre. Parce que sinon on a rendez-vous que le 12 et ça risque de faire un peu long. Donc on va voir comment ça va évoluer ce truc là. Bref, on va grignoter des restes je pense ce midi puisque là il est 13h passé. Et je vous reprendrai tout à l'heure en espérant que je puisse filmer la vidéo Action avant. Et ensuite comme ça on installe tout ensemble. Alors on a un chat en attaque puisque sur le bras de Dadou, vous pouvez voir il y a une mouche. Et Cachot et son amour des mouches, elle est genre... méga vénère. Ah, fais gaffe, elle va te sauter dessus hein. Bon, voilà, ma vidéo est filmée. Du coup je vous ai laissé sur le trépied. Ma vidéo haut l'action est filmée. Du coup je vais pouvoir tout ranger. Et du coup alors là on a une pépite là. Je sais pas trop ce que font mes cheveux aujourd'hui. Mais je vais pouvoir donc vous montrer, installer tous les trucs et tout et vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça c'est chouette, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Vous verrez donc l'installation de mes achats, Action, et ça c'est chouette. Bon, j'ai pas acheté des trucs de malade qui vont changer ma déco, mais j'ai acheté des petits trucs qui peuvent vous donner des idées. Et je me suis dit que ça serait sympa du coup de vous montrer ça en vlog. Surtout que comme je vlog aujourd'hui, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, bref. Vous avez compris le schmilblick. Donc c'est parti. Ah, et puis attendez, parce que dans la vidéo haut, je vous dis que je suis accompagnée, mais regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite cachounette bien trop choupinette là? Oh mon bébé. Oh bah oui, quand Léo... Oh mais quelle vilaine. Regardez, elle m'attaque. J'allais dire quand Léo il dort, elle en profite pour être avec sa mamoune, mais en fait elle me bouffe. Si bien. Bon, du coup je vous retrouve dans ma salle de bain puisque vous aurez vu normalement mon haul Action avant ce vlog. Je vais vous montrer donc les tapis et tout que je vais installer, la nouvelle panière à linge et comme ça je vous montre comme promis dans le vlog mes petites installations de mes achats Action. Alors il n'y a rien de...
fait rien d'extraordinaire, mais je vais vous montrer comme quoi mes achats vont me servir. Alors ici au sol, donc on avait un tapis là initialement et un autre tapis juste là. Et en fait, on n'a plus de tapis puisque Dame Cachou, qui est caché sous la douche, parce qu'on a mis la baignoire de Léo à l'intérieur, a fait pipi dessus. Donc je vais installer cette panière à linge puisque l'autre est cassée, où il y a le panier à cachou dessus parce qu'elle a aussi cassé sa table où il y avait le panier dessus. Enfin bref, un soir, un papillon a eu le malheur de se coincer entre la fenêtre et le volet. Et donc elle a vu et puis elle a sauté partout et elle en a pété sa table. Donc on avait mis ça en attendant, il faudrait que je la répare tout à l'heure. Et je vais installer donc les deux tapis là que vous voyez juste là. Bon bah voilà, 2 minutes plus tard, c'est installé. Ce qui est très bien et que je voulais vous montrer, c'est qu'en dessous, en fait, ils sont comme antidérapants. Donc ce qui permet de bien... Ils sont bien fixes sur le carrelage. Et on a là cette petite demoiselle qui n'arrête pas de les sentir. Je te préviens que si tu fais une bêtise, maman, elle se fâche. Hein. Voilà, et du coup, cette... Non, saute pas, c'est ouvert. Cette panière... J'en étais sûre de ça. Vous avez vu la catastrophe? Franchement, elle me fatigue, cette chatte. Cette panière-là, donc, comme je vous le disais, elle était cassée. Voilà pourquoi on la change, parce qu'en fait, ça s'enlève à chaque fois et tout, et c'est galère. Et du coup, on va la réutiliser en bas dans le garage, parce qu'on en a une vieille, pareil, qui est cassée. Et on va enlever le couvercle, et ça sera tout simplement celle du garage ou en bas. On met souvent du linge aussi et tout, et ça sera très pratique. Donc, voilà, comme ça, c'est bien, c'est simple et tout. Bon, là, il y a le tabouret, il faut que je l'enlève. Mais au moins ça fait propre et on a des tapis, on risque plus de glisser, et ça c'est le plus important. Bon, et le panier là, il faut que je range, faudrait que je le remette sur sa table que cette demoiselle a cassé, mais il faut que je la répare d'abord, donc voilà. Et les autres achats, actions donc, qui vont dans la salle de bain, on a les déos de Dadou et un dentifrice, donc ça va dans ce tiroir, le tiroir à réserve, on va dire. Voilà, comme ça je range ça là et ça c'est fait, c'est rangé. Et on avait également donc les sacs à crottes de Cachou qui vont dans son étagère, donc ça c'est ce qu'on utilise pour nettoyer sa litière et tout. Et on avait ces sacs là à crottes mais on arrivait à court et ceux-ci ne sont pas biodégradables alors que ceux-là oui, donc maintenant j'achèterai que ceux-là. Et voilà, du coup c'est rangé pareil. Et ici donc, ici vous voyez il y a mes trucs réutilisables. Donc j'en ai plus que deux de propres. Les trois du dessus sont sales, faut que je les mette à laver d'ailleurs, je vais les descendre. Et dans ce petit pot là, je mets donc mes carrés de coton. Donc là j'en avais piqué quelques-uns à mon fils, donc je vais mettre ceci là-dedans. Et en fait au fur et à mesure je pioche. Voilà, comme ça c'est pratique, comme j'ai mes démaquillants à côté d'ailleurs qui sont bientôt terminés. Et voilà, c'est... Je les range là-dedans en règle générale. Et voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, je vous l'accorde, mais c'est pratique. Donc ça va au sale, il me restera deux. Et le temps que je lave celle-ci, je pourrais piocher quelques petits cotons. Voilà donc pourquoi j'avais besoin de coton. Et moi, je prends toujours des grands disques parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi. Et j'en profite pour vous montrer un produit que j'utilise en ce moment, que j'ai découvert je l'ai reçu dans la Birchbox du mois d'avril, je crois. Et le focus, c'est quand tu veux. C'est donc l'Hydra Essentiel de chez Clarins, donc je l'ai reçu en miniature, hein, c'est pas le full size, et trop bien, c'est un gel sorbet désaltérant, ça hydrate trop bien la peau, franchement après m'être démaquillée, après la douche et tout, je mets ça sur le visage, ça me fait pas du tout de rougeur, la matière est bien trop agréable, ma peau boit hyper vite le truc et tout, et je la sens vraiment, ouais, hydratée, et gros coup de cœur. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter tant qu'il était là, voilà, donc ça c'est vraiment chouette, et pour les cotons, bah c'est rangé comme ça. Alors c'est bien plus tard que je vous reprends puisque depuis que je vous ai laissé, j'ai donc commencé à installer des trucs et tout d'action. Ensuite Léo s'est réveillé, il a pris un biberon, on a joué tout ça, j'ai monté le haut d'action. Voilà, ça m'a pris un bon moment parce que je voulais vous mettre tous les prix et tout. Et j'avais plus de batterie sur mon appareil, enfin bref, vous connaissez la galère. Du coup il est 18h30 là. Et il y a juste un truc que j'ai fait sans vous montrer. J'ai gardé les autres pour le faire tout de suite là avec vous. Mais du coup j'ai mis dans l'armoire de Léo la petite panière avec tous ses bavoirs, ses chèches et tout.
Et du coup, je voulais vous montrer ça. Voilà la bête. Du coup, à côté de ces capes de bain et tout, j'ai mis donc la fameuse panière action avec tous ces bandanas et tout à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique parce que c'était vraiment tout posé comme ça, donc en bordel. Et ça tombait, ça allait derrière et tout. Et au final, j'ai tout mis dans cette panière-là. Alors, j'ai pas, franchement, je me suis pas cassé la tête à tout plier hein, parce que c'est des bavoirs, c'est des bandanas. Voilà, mais du coup, c'est beaucoup plus pratique, ça fait beaucoup plus ordonné. Et sachant qu'en plus, cette semaine, j'ai trié et rangé l'armoire de Léo, donc voilà ce qu'il reste comme vêtements, parce que en fait nous on avait dans l'optique de ne pas avoir la masse de vêtements pour Léo, et en fait les gens très gentiment hein, nous en ont offert beaucoup, et là encore ce genre ça on nous l'a offert, enfin voilà il y a plein de choses qu'on nous a offert, donc ça ce sont ses vêtements à sa taille, et cette étagère aussi, ça c'est trop petit, beaucoup sont trop petits, faut que je trie, et ça c'est ce qu'on a pour les mois à venir. Bon là bas c'est ses draps, c'est tout, mais voilà, donc c'est je suis contente, j'ai quand même fait un bon tri, et du coup le fait d'avoir ajouté cette panière ça range davantage, et je suis trop contente, ça fait vraiment ordonné, donc voilà une bonne chose de faite. Maintenant on va aller mettre les plateaux et tout en bas. Alors voici le monstre, le fameux plateau jaune qui n'a rien à voir ici hein. Mon mur est en pierre, on a un plan de travail noir et on a quelques touches de bois à des endroits, voilà, donc tout le reste est très clair dans la maison hein, si vous n'avez jamais vu. Et on a ce plateau jaune là qui n'a rien à foutre là. Et comme vous pouvez voir dessus, ce sont donc les choses pour Léo. Donc j'ai acheté un plateau pour changer ce truc horrible et bien tout ordonné. Voilà, c'est le plateau sur lequel on y laisse son eau, son lait, ses biberons qu'on en vient de préparer, son traitement, les céréales et tout. Donc voilà, du coup je vais changer cette horreur. On va essayer en faisant un claquement de doigts. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait un truc comme ça, on va essayer la magie du montage. Allez, 1, 2... Non, le focus. C'est ma main qu'il faut focus. 1, 2, 3. Tada! Voilà. Je sais pas si mon effet montage, effet claque-doigt aura fonctionné, mais en tout cas, voilà le résultat. C'est quand même beaucoup mieux que du jaune. Hein. Bon, c'est vrai que tout noir, ça aurait été encore mieux. Mais ça aurait encore assombri le truc et tout. Donc bon là j'ai pris ça, c'était chez Action pas trop cher et ça fait l'affaire. Voilà, comme ça tout est rentré et c'est bien plus pratique. En plus de ça il est antidérapant et je trouve ça vraiment pratique. Voilà, donc le petit plateau installé, ma foi, plutôt chouette. Toujours dans mes achats Action que vous aurez vu dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'avais acheté un tapis pour remplacer celui-ci. Pourquoi? Parce que il s'est vraiment vieilli quoi le truc. Bon il est encore potable hein, parce qu'il était beige et marron, donc au final il a gardé ses couleurs, mais bon il fait un peu défraîchi quoi, enfin voilà, donc j'avais vraiment envie de le changer. C'est cet espace là dont je vous parlais de mon couloir. Donc je vais l'enlever et je vais mettre l'autre tapis que j'ai acheté et bon je pense que ça va faire chouette, on va voir ça. Bon, voilà le résultat. Je suis pas trop convaincue. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait vraiment rikiki par rapport à l'autre. Mais je pense que c'est l'habitude qu'on avait en fait d'avoir un plus grand tapis. J'ai même pas vérifié si la porte passe par-dessus, la porte des WC. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire. Je me dis, hein, je peux toujours garder l'autre. Hein, puis on va voir. Il faut que je laisse là pour voir si je m'y habitue. Et si je m'y habitue pas, je remettrai l'autre. Voilà. Et pour finir, donc, dans l'espace buanderie, on va dire, je voulais remplacer cette vieille corbeille par celle que j'ai enlevée de la salle de bain, qui est juste ici. Et en fait, juste enlever le couvercle et remplacer, mettre le bac à la place de celui-ci, parce que ça, c'est un truc qu'on avait acheté à la va-vite quand on s'est installé chez Ikea. Et le truc est complètement déchiré, vous le verrez juste ici. Voilà, ça, c'est la panière pour les vêtements de sport de Dadou, mais du coup celle à côté ça sera plus pratique d'avoir un truc rigide comme ça, parce que là elle s'est complètement déchirée et tout, donc voilà on va changer ça et ça sera quand même mieux. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc j'ai changé, j'ai mis celle-là à côté. Ça sera quand même plus pratique parce que l'autre se barrait complètement en cacahuète. Voilà, donc écoutez, c'est cool, les achats Action m'ont fait ranger la baraque. Du coup les amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser, puisque ce soir on va dîner chez mes parents. Ils ont appelé tout à l'heure pour nous inviter à manger du saumon au barbecue je crois. Et je vais essayer de me refaire une petite beauté rapidos avant d'y aller, parce que là autant vous dire qu'on dirait une folle.
et que je risquerais de faire peur même à mes parents. Je vais juste aller ramasser une lessive et tout. Dadou s'est endormi là-haut avec l'abricot, donc j'aime pas mes vlogs là, là pour qu'on s'en aille. Voilà, j'espère que ce petit vlog avec l'installation des pièces, des choses achetées chez Action vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain. Et je vous envoie comme d'hab plein de gros bisous. Ciao, ciao.